وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أما بعد يا إخوتي الكرام nous étions arrêtés sur cet événement après avoir relaté le fait que les croyants traverseront As-Sirat, ce pont suspendu au-dessus de l'enfer aussi fin qu'un cheveu, aussi tranchant qu'une épée. Après cette épreuve terrible, ils se retrouveront sur ce qu'on appelle Al-Qantara, qu'on pourra traduire aussi par un pont, mais qui n'est pas de la même forme que le précédent. Et le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, après que les croyants auront été préservés du feu, ils seront réquisitionnés sur un pont entre le paradis et l'enfer. Et chacun rendra ou réparera des fautes et des injustices qu'il avait commises envers son frère. Jusqu'à ce que, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chacun sera lavé de ses injustices, chacun, les uns par rapport aux autres, se pardonneront. Et à ce moment-là, on leur permettra de rentrer au paradis. Puis le prophète a juré sallallahu alayhi wa sallam par Allah, par celui qui tient l'âme de Mohammed entre ses mains. Certes, il n'y a pas une personne à ce moment-là qui connaîtra sa demeure au paradis mieux que sa demeure dans cette vie d'ici-bas. Et Allah Jalla wa'ala, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, Allah dit à cet effet, et nous retirerons de leur poitrine toute rancœur, toute haine, toute jalousie, et ceci afin qu'ils rentrent au paradis et qu'ils n'éprouvent aucune jalousie de ce que certains auront par rapport à d'autres. Avant de continuer ces événements-là, c'est-à-dire l'entrée du paradis et tout ce qui s'ensuit, je voulais revenir un petit peu en arrière et évoquer l'enfer. Je ne vais pas m'éterniser dessus, puisque les descriptions sont nombreuses, il y a beaucoup de choses à dire. Un cours, même deux cours, ne serait pas suffisant pour tout étayer. Mais Inch'Allah, j'ai été à l'essentiel. J'ai ramené quelques descriptions d'autres choses aussi. Et pour le reste des descriptions de l'enfer, Inch'Allah, vous les trouverez à travers les versets du Coran et les hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Alors l'enfer, An-Nar, Allah tabarak wa ta'ala, an yujirana minha, c'est la demeure finale préparée pour Allah pour les mécréants. C'est la demeure de la grande humiliation, de l'immense perte, après laquelle il n'y a pas de perte et d'humiliation plus grande que celle. Allah dit tabarak wa ta'ala, إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. Certes, les perdants, ce sont ceux qui auront causé la perte d'eux-mêmes ainsi que de leur famille le jour du jugement. En soit Zumar. Cet enfer est presque indescriptible et sa description, elle sort de l'entendement humain. C'est-à-dire, il y a des choses dans l'enfer qui nous sont citées à travers les textes du Coran et de la Sunna, mais dans des proportions inimaginables. Comme nous allons le voir, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Ça, c'est une première caractéristique de cet enfer. La deuxième caractéristique, comme vous le savez, c'est que c'est une demeure éternelle. C'est un feu qui brûle sans cesse. Le paradis comme l'enfer sont deux créatures d'Allah, tabaraka wa ta'ala, très immenses. Créées par Allah, jalla wa ala, et créées avant les cieux et la terre. Le paradis et l'enfer ont été créés avant les cieux et la terre. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté au ciel, il a vu cet arbre-là qu'on appelle As-Sidrat al-Muntaha. As-Sidra, c'est un arbre qu'on appelle en français le jujubier. Al-Muntaha, yani huwa al-Nihaya, c'est il est dans une limite ou à partir de laquelle nul n'a le droit de dépasser. Alors cet arbre-là, il marque cette limite que personne ne peut dépasser. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est arrêté à cet arbre-là, il l'a même dépassé, et à ce moment-là, il a vu le paradis, Jannat al-Ma'wa, le paradis de l'Ma'wa. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit à cet effet,
ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. Et il l'a vu certes une autre fois, parlant de Djibril, près de cet arbre-là, lorsqu'il est monté aux cieux, près de cet arbre-là. Et il l'a vu proche de lui, proche de cet arbre, Jannat al-Ma'wa. Le paradis, un des paradis qu'a créé Allah tabaraka wa ta'ala. D'après Aïcha, radiallahu tabaraka wa ta'ala anha, le soleil s'est éclipsé au temps de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et j'ai mentionné le hadith dans lequel, ou l'événement dans lequel le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, j'ai vu de ma place toute chose qui vous a été promise jusqu'à ce que je me suis vu en train de cueillir un des fruits du paradis. Les compagnons ont dit, Ya Rasulallah, nous t'avons vu faire des gestes que nous n'arrivons pas à expliquer. Que le prophète a tendu sa main comme s'il allait cueillir quelque chose et il a avancé et juste après le prophète a reculé, subitement. Les compagnons se sont posé cette question et lui ont demandé tout simplement quel est le pourquoi du comment. Alors le prophète de répondre, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque vous m'avez vu, j'ai avancé et j'ai cueilli justement cette grappe du paradis. Si je l'avais attrapée, elle vous aurait suffi comme nourriture jusqu'à la fin des temps. Et certes, j'ai vu le feu se consumant sur lui-même, c'est-à-dire se servant de combustible sur lui-même. Et lorsque je l'ai vu, j'ai reculé, et c'est à ce moment-là que vous m'avez vu reculer. Hein? Dans une autre version, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, à la suite de ceci, il dit, j'ai vu que la plupart de ses habitants étaient des femmes. La plupart des habitants du feu étaient des femmes. Ils dirent, oh, pourquoi, oh, envoyé d'Allah? Il répondit, à cause de leur kufr. J'ai gardé exprès le terme en arabe, car, quand vous allez voir le terme de kufr, n'a pas le sens qui vient à l'esprit. Alors les compagnons ont dit, sont-elles mécréantes? Est-ce la raison pour laquelle elles rentreront en enfer? Et il répondit, elles sont ingrates. Elles kufr bimarna, dans le sens de l'ingratitude. Kafara, ça veut dire être aussi ingrat. Donc le prophète a dit, yakfurna, elles seront ingrates. Les compagnons ont pensé que c'était la mécréance. Kufr dans le sens de la mécréance. Et le prophète de rectifier le tir en disant, elles sont ingrates envers le bien qu'on leur dispense, c'est-à-dire leur mari, leur père, ceux qui sont à leur charge. Quand bien même tu serais envers elles bienfaisant tout le temps. Et lorsqu'elles voient en toi une chose, elles disent une chose détestable, elles disent, je n'ai jamais rien connu de bien en toi. Non. C'est un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari ou un muslim, et c'est une cause par laquelle elles constitueront les gens de l'enfer. Ça ne veut pas dire qu'elles vont s'éterniser en enfer si elles meurent dans la croyance, mais elles y passeront. D'ailleurs, le prophète a dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, s'il vient corroborer ce hadith, les gens minoritaires au paradis, ce sont les femmes. Les gens minoritaires au paradis seront les femmes. Non. Concernant cet enfer, il possède des gardiens. يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Oh, vous qui avez cru, préservez vos propres âmes ainsi que vos familles d'un feu dont le combustible sera les hommes et les pierres. عليها ملائكة غلاظ شداد. Sur cet enfer, sur ce feu, il y aura des anges doués de force et de rudesse, qui garderont l'enfer. Pour quelle raison? Pour éviter que toute personne qui doit y rester n'en sorte. Aussi, Allah dit tabaraka wa ta'ala dans Surat al-Muddathir, عليها تسعة عشر, sur l'enfer de Saqar, il y aura 19 gardiens, 19 anges chargé de garder cet enfer. Alors les mouchriquines ont été éprouvés par ce verset coranique en disant, comment 19 anges, qu'est-ce qu'ils vont faire devant une multitude de gens? Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'un seul ange, il peut faire face, comme disent les savants, à l'ensemble des hommes et des djinns, sans problème. Hein? Comme nous l'avions vu, les anges, ce sont des êtres doués d'une force terrible. Ceux-là sont les gardiens de l'enfer. Maintenant, concernant la description de l'enfer. Où se trouve l'enfer? Les savants ont divergé à ce sujet.
Certains ont dit qu'il se trouve dans les cieux, d'autres ont dit qu'il se trouve sous terre, et un troisième groupe de savants s'est abstenu de parler. Et c'est cette troisième voie qu'il faut adopter, puisque nous n'avons aucun texte qui nous prouve de manière précise où se trouve le paradis, ou enfin, où se trouve l'enfer. On n'a aucun texte sur ça. Donc, il convient de prendre la voie de la précaution. Hein, et on s'abstient de parler sur ces choses-là. On dit Allahu A'lam. Son l'étendue de ce feu et de ce Jahannam, d'après Anas ibn Malik, radiallahu tabaraka wa ta'ala, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, on ne cessera de jeter des gens dans le feu. Et il dira, y a-t-il encore du monde jusqu'à ce que le Seigneur posera son pied, Jalla wa ala, et ce feu se remplira sur lui-même et il dira, assez, assez, par ta puissance et ta générosité, ya Allah. Non. C'est-à-dire que ce feu-là, sans l'ordre d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et qu'il pose son pied, comme il convient à sa bienséance, Jalla wa ala, sur ce feu, il n'aurait cessé de se remplir. Ce qui nous prouve son étendue et sa profondeur, comme nous allons le voir par d'autres hadiths. Abi Huraira radiallahu tabaraka wa ta'ala anhu a dit, nous étions avec l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il entenda un bruit de quelque chose qui tombe, comme une assiette qui tombe. Alors le prophète s'est retourné vers ses compagnons et a dit, savez-vous ce que c'est? Ils ont dit, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah et son messager le savent mieux. Le prophète de répondre sallallahu alayhi wa sallam, c'est une pierre qui vient d'atteindre le fond de l'enfer et qui a été jeté il y a 70 ans. Non, mais quoi ? Ceci nous montre la profondeur de l'enfer de 70 ans, à la vitesse d'une pierre qui tombe. Je ne sais pas si vous vous imaginez un petit peu. Non. C'est comme si une personne, elle a 50 ans, on la jette et elle n'atterrit qu'à l'âge de 120 ans. Ou un bébé qui, un nouveau-né, il n'atteindra le fond de l'enfer qu'à l'âge de 70 ans. C'est un hadith rapporté par l'imam Muslim. Aussi, ce qui nous montre la grandeur de ce feu et de cet enfer, c'est que 70 000 anges viendront, ou plutôt, ce feu sera tiré par 70 000 chaînes. Bi sab'ina alf zimam. 70 000 chaînes. À chaque chaîne, 70 000 anges. Avec la force qu'ils possèdent. Ça, c'est lorsque le feu sera tiré pour être présenté. C'est un hadith rapporté par l'imam Muslim d'après la version d'Abdullah ibn Mas'ud. Aussi, parmi les descriptions du feu de l'enfer, c'est qu'il possède des fosses, qu'on appelle en arabe darakat. Darakat, d'une manière générale, elles viennent décrire les fosses de l'enfer, de même que al-darajat, les degrés, viennent décrire les degrés du paradis. Or, Allah tabaraka wa ta'ala, dans certains versets du Coran, a cité les fosses en utilisant le terme de darajat. Non ? À la Kudihal, ce feu possède des couches. Pourquoi ces couches-là ? Tout simplement, car dans l'enfer, tout le monde ne sera pas châtié dans la même mesure, à la même hauteur. Allah dit tabaraka wa ta'ala concernant le munafiqin, إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. Certes, les hypocrites seront dans les plus bas fonds de l'enfer. Alors, comment comprendre ces darakat? Ali ibn Abi Talib a dit que les portes de l'enfer, elles sont superposées, les unes au-dessus des autres. Ce ne sont pas des portes verticales, ce sont des portes horizontales. Là, elles sont superposées. Lorsqu'on fera rentrer des gens dans le plus bas fond de l'enfer, lorsque ce plus bas fond de l'enfer sera rempli, on y refermera les portes. Puis, on remplira la couche qui est juste au-dessus. Etc. Et plus la fosse est profonde, plus le châtiment est terrible. Et douloureux. L'enfer possède 7 portes. يقول الله جل وعلا وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم
Allah dit tabaraka wa ta'ala dans surat al-Hajr ou al-Hijr afwan, versets 43 et 44, et certes l'enfer sera leur lieu de rendez-vous à eux tous, et ils possèdent 7 portes, et à chaque porte il y aura une punition déterminée pour chacun. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. Et on conduira les mécréants dans le feu de l'enfer en groupe, et lorsqu'ils arriveront devant ces portes, on dira ouvrez les portes de l'enfer. Non, et ils y rentreront. يقول الله جل وعلا عليهم نار مؤصدة. Et sur eux, il y aura un feu mu'sada, comme l'a dit Abdullah ibn Abbas. Mu'sada est muhallaqatul abwab. C'est-à-dire qu'ils auront un feu. Et en plus de ça, les portes se refermeront sur ce feu-là, alors qu'ils y seront rentrés. Le combustible de ce feu de l'enfer sera les hommes et les pierres, ainsi que les idoles. Concernant les hommes et les pierres, Allah dit tabaraka wa ta'ala, innakum wa ma yaqul Allah tabaraka wa ta'ala, fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara u'iddat lil kafirin. Et si vous ne pouvez le faire et vous ne pourrez le faire, c'est-à-dire imiter ce Coran, alors craignez le feu qui aura pour combustible les hommes et les pierres. Et aussi un autre verset qui va dans ce sens, un verset que j'ai cité un petit peu auparavant. Aussi servira de combustible les idoles. Yaqulullah tabaraka wa ta'ala fi surat al-Anbiya, c'est le verset numéro 98. Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun. Certes, ceux que vous adorez en dehors d'Allah servira de combustible pour l'enfer. Antum laha walidun, et vous y passerez vous aussi. Là, concernant sa chaleur maintenant. Allah le Très-Haut a dit tabaraka wa ta'ala surat al-Waqi'a wa ashabu al-shimal ma ashabu al-shimal fi samum wa hamim wa dhillin min yahmum la baridin wa la karim. Et les gens de la gauche, que sont les gens de la gauche? Ils seront au milieu d'un souffle brûlant et d'une eau bouillante à l'ombre d'une fumée noire. Ni fraîcheur, ni fraîche et ni douce. Non, nous constatons à travers ce verset coranique que Allah tabaraka wa ta'ala a interdit et a privé les gens de l'enfer de profiter d'une quelconque fraîcheur. Il y a trois choses dans cette vie d'ici-bas par lesquelles les gens se rafraîchissent. L'air, l'eau et l'ombre. N'est-ce pas? L'air, l'eau et l'ombre. Allah tabaraka wa ta'ala a fermé la porte ici en disant ils seront au milieu d'un souffle brûlant. Donc l'air ici ne leur sera d'aucune utilité s'ils souhaitent la fraîcheur, puisqu'il sera brûlant. As-samoum. Ou alors une eau, mais l'eau qu'ils buvront sera bouillante. Hamim. Ou alors une ombre, mais l'ombre ici ne sera que la fumée que dégage cet enfer. À l'ombre d'une fumée noire, ni fraîche, ni douce. Salamata wa l'afia. Quels seront les habitants de l'enfer? Nous avons déjà répondu à cette question, mais à titre de rappel, Inch'Allah, il est bon de réitérer et de rappeler quels sont ceux qui rentreront en enfer, notamment ceux qui demeureront éternellement en premier lieu. Tout d'abord, les polythéistes et les mécréants. Yaqulullah tabaraka wa ta'ala qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadhabna wa qulna ma nazzalallahu min shay'in in antum illa fi dhalalin kabir. Donc cela, ce sont les mécréants. Bien sûr, les versets abondent et affluent dans ce sens. Je m'en suis tenu qu'à un seul verset. Ils diront ce jour-là, dans l'enfer,
lorsque les anges leur diront « Des messagers ne sont-ils pas venus vers vous pour vous rappeler les versets des prophètes ?» Ils diront « Si, certes, mais nous avons traité de menteurs ces messagers. » Et et nous avions dit que nul avertisseur n'est venu. Aussi parmi les causes, après la mécréance et le shirk, parmi les causes qui feront rentrer la personne en enfer, c'est la non-application des prescriptions divines. Selon la parole la plus authentique chez les savants, c'est que même les mécréants seront châtiés pour tous les manquements qu'ils ont eus à l'égard des ordres religieux ou des interdits. Hein? Ils seront châtiés pour leur mécréance et ils seront aussi châtiés pour tous les manquements qu'ils ont eus. La preuve de ceci, يقول الله جل وعلا قالوا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. On leur dira, qu'est-ce qui vous a conduit au Saqar, dans le feu de l'enfer? Ils diront, nous ne faisions pas la prière. Nous ne nourrissions pas le pauvre. Nous discutions et nous polémiquions avec ceux qui polémiquent. Et nous traitions de mensonges le jour dernier, jusqu'à ce que la mort nous est venue. Il y a dans ce qu'ils ont cité des choses qui relèvent des fondements de la religion et des choses qui ne relèvent pas des fondements de la religion. Ce qui relève des fondements de la religion, c'est leur mécréance envers le jour dernier. Non? Mais ce qui ne relève pas des fondements de la religion, c'est le fait qu'ils ne donnaient pas à donner aux pauvres. Est-ce que cette chose-là est cause de châtiment? Oui, c'est une cause de châtiment. Quand bien même ils sont mécréants, ils seront aussi châtiés pour le fait qu'ils ne donnaient pas aux pauvres. Aussi l'hypocrisie, les hypocrites qui ne sont que, ni plus ni moins que des mécréants, Allah dit à leur effet, inna al-munafiqina fi darki al-asfali min an-nar, certes les hypocrites seront au plus bas fond de l'enfer, pour ne citer que ce verset coranique. Al-kibr, l'arrogance, là maintenant, al-kibr, elle peut toucher des musulmans comme elle peut toucher des mécréants. الكبر يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح يقول من كان في لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر فقالوا يا رسول الله أن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعاله حسنة فقال النبي إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس البروفيت عليه الصلاة والسلام celui qui possède un atome d'orgueil dans son cœur ne rentrera pas au paradis. Alors les compagnons ont dit, Ya Rasulallah, l'homme aime bien porter de beaux vêtements et de belles chaussures. Alors le prophète de réponse à Salam, certes Allah est beau et il aime la beauté. Tout ça en fait c'était pour leur dire que ce n'est pas comme ça qu'il faut comprendre ma parole. Ce n'est pas dans ce sens-là. Mais le prophète de réponse à Salam, mais Al-Kibr, l'arrogance ou l'orgueil, c'est rejeter la vérité et mépriser les gens. Rejeter la vérité, soit ouvertement, soit dans son cœur, et mépriser les gens, les rabaisser, les dénigrer, ou alors se considérer meilleur qu'eux. Salamata wa l'afir. Yaqulullah jalla wa'ala. Walladhina kadabu wa stakbaru anha ulaika ashabun narikum fiha khalidun. Ça, c'est ceux qui se sont enflés d'orgueil concernant les versets d'Allah tabaraka wa ta'ala, le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les fondements de la religion. Allah dit jalla wa'ala dans le sens des versets, certes ceux qui ont traité de mensonges et se sont enflés d'orgueil sur ceci
Ceux-là sont les hôtes de l'enfer pour y demeurer éternellement. Et Allah dit aussi, tabaraka wa ta'ala, alaysa fi jahannama mathwan lil mutakabbirin. L'enfer n'est-il pas un refuge pour les gens orgueilleux, pleins d'arrogance? Aussi, donc ça, ce sont des descriptions générales, des catégories de personnes, mais on a aussi, à travers les textes religieux, des personnes que le prophète a citées, ou qui ont été citées dans le Coran, dont on peut trancher, nous, qu'ils iront en enfer. Là. Parmi elles, il y a Pharaon, le Pharaon qui s'est opposé à Moussa alayhi salam. Allah dit tabaraka wa ta'ala à son sujet: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. Le feu leur sera exposé matin et soir, c'est-à-dire dans la tombe, et lorsque l'heure viendra, on dira: faites entrer la famille de Pharaon dans le plus dur des châtiments. Donc c'est un verset clair de sens qui nous prouve que Pharaon ira en enfer. Aussi, la femme de Noé ainsi que celle de l'autre. Aussi, Abu Lahab. Aussi, Amr ibn Amir al-Khuzari. Cet homme-là, c'était un arabe qui a vécu avant l'avènement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et c'est lui qui a institué tout ce qu'on appelle al-ham wa sa'iba, toutes ces choses-là. C'est en fait, il désignait certaines catégories de bestiaux pour les hommes en dehors des femmes. Ou alors, il spécifiait certaines catégories de bestiaux desquelles on ne devait pas les monter ni prendre de leur lait. Bref, ils avaient institué des règles inventées dans la religion. Le prophète lui a fait la bonne annonce de l'enfer. Aussi, d'autres personnes qu'on trouve à travers les textes, comme celui qui a tué Ammar ibn Yasir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a décrit et lui a dit que celui qui te tuera fait partie des gens de l'enfer. Pourquoi j'ai ramené ceci? Car c'est une règle très importante que vous devez connaître. C'est qu'on n'a pas le droit de désigner une personne en particulier comme étant ou comme faisant partie des gens de l'enfer, sauf avec une preuve du Coran et de la Sunna. Hein? Et ceci pour fermer la porte à toute personne, par manque de science, qui dirait par exemple à son frère: de toute façon, toi tu rentreras dans l'enfer à cause de tes péchés, à cause de ceci, à cause de cela. Ou alors même dire ça à un mécréant, bi'aynihi, c'est-à-dire en le citant spécifiquement, ceci est totalement interdit. Hein? On n'a pas l'air de dire à un mécréant, par exemple, qui s'appelle, je ne sais pas, Jean-Pierre: tu iras en enfer. Hein, mais quoi? C'est strictement interdit. Allahu a'lam. Il se peut qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui ouvre les portes de sa miséricorde. Qui sait? Donc ceci n'est pas de ton ressort et tu n'as pas le droit de te mettre à la place d'Allah jalla wa'ala. Par contre, nous avons le droit de trancher et nous avons le droit de dire sur des catégories de personnes. Les mécréants iront en enfer. Ça, on a le droit de le dire. Les hypocrites iront en enfer. Les mouchriquines iront en enfer. Ça, on a le droit de le dire. Ou alors, citer des personnes précises, mais dont on a une trace dans les textes authentiques. Pharaon, celui dont Moussa a été envoyé vers lui, ira en enfer. Abu Lahab, nous avons un texte aussi, etc. Vous avez compris, les frères? Si une personne meurt sur une mécréance, si elle meurt sur une mécréance, juridiquement, il est mécréant. C'est-à-dire, on le considère comme mécréant. On ne prie pas sur lui, on ne le lave pas, on ne le met pas dans un linceul, on ne fait pas des doigts pour lui. Juridiquement. Et on s'en tient à ça. Le reste, nous, on juge les apparences et c'est Allah qui juge les cœurs. Il se peut qu'une personne, en apparence, elle meure sur la mécréance pour X raisons, mais qu'en fait, il était croyant dans son cœur. On ne sait pas. Donc, ne jamais rentrer dans ce domaine.
à savoir comment il est mort et comment il sera devant Allah. Et de toute façon, ça ne changera rien à ta vie. Qu'il soit musulman ou mécréant devant Allah, ça ne va rien changer pour toi. Donc, on juge que les extérieurs, que l'apparence seulement. S'il vous a fait montrer un islam extérieur, on le considère comme tel. On le priera sur lui, on le lavera, on fera de doigt pour lui, on héritera de lui. Bref, toutes les lois qui sont relatives aux musulmans lorsqu'il meurt. Par contre, si il a fait apparaître la mécréance, alors on le considérera comme un mécréant, hokman, juridiquement parlant. D'accord ? Ah ben le reste, c'est entre les mains d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Non. Aussi, un point que je vais rappeler qui est très important, la croyance des gens de la Sunna concernant ceux qui s'éterniseront en enfer. Celui qui s'éternisera en enfer est toute personne qui est morte dans la mécréance. Quelle que soit la forme de cette mécréance, que ce soit une mécréance relative à la seigneurie d'Allah ou dans l'adoration ou autre type de mécréance. Bref, la grande dénomination mécréance rentrera, tout mécréant qui rentre sous cette dénomination, s'il meurt dans cet état-là, il s'éternisera en enfer, il n'y a aucun moyen pour lui qu'il soit pardonné. Par contre, il y a des musulmans qui pourront rentrer en enfer au regard du péché qu'ils auront commis, plus ou moins grand. Et parmi ces péchés-là, on peut citer les péchés qui suivent, qui sont très très graves, mais qui n'occasionnera pas le fait qu'il s'éternisera en enfer. Il y a parmi les péchés graves, comme je l'ai cité, l'arrogance ou l'orgueil. 1. Il y a le meurtre, notamment le meurtre d'un musulman avec préméditation. Allah dit tabaraka wa ta'ala: ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. 5 عقوبات. 5 punitions pour celui qui tue un musulman avec préméditation. Non? Il le tue pour un intérêt mondain. Par contre, s'il le tue pour sa religion, ça c'est de la méfiance majeure. Mais il le tue pour un intérêt mondain. Premièrement, Allah le menace d'un feu éternel. Je vais m'expliquer, Inch'Allah. Deuxièmement, Allah le maudit. Troisièmement, Allah se met en colère contre lui. Quatrièmement, donc l'enfer éternellement, Allah se met en colère contre lui, Allah le maudit et il aura un châtiment douloureux. Imaginez-vous. Donc, les savants sur ce verset coranique ont quatre explications. Pourquoi ? Parce qu'un musulman, nous avons dit qu'un musulman, lorsqu'il meurt, il ne s'éternisera pas en enfer. Alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous dit ici que celui qui tue un musulman avec préméditation, quand bien même c'est un musulman, en apparence, il s'éternisera en enfer. Alors comment on répond à ceci ? Il y a quatre façons de répondre, mais il y en a deux qui sont assez probantes. La première, c'est le fait de dire que ici, Allah a menacé toute personne qui fait ceci d'un châtiment éternel à la bab al-tahdid wa al-tahwif, à titre de mise en garde sévère, afin de freiner les ardeurs de chacun. Hein? La deuxième réponse ou la deuxième explication qu'on peut dire, c'est que ici, Khalid al-Fiha, al-Ghulud ici ne veut pas dire l'éternité. Non, mais il veut dire un long moment. Comme ceci ici a été aussi rapporté dans d'autres versets coraniques où al-Ghulud ne veut pas dire forcément l'éternité, c'est-à-dire à jamais. Mais il peut signifier un long moment. Et effectivement, celui qui tue un musulman avec préméditation, il se peut qu'il passera un très long moment dans le feu de l'enfer. Aussi, parmi les choses qui occasionnera le fait de rentrer en enfer, le fait de manger la terre usuraire, ou alors le fait de le promulguer,
le fait d'être témoin lors des contrats où il y a de l'intérêt usuraire, ou alors d'écrire ce contrat-là. Bref, toutes les choses qui tournent autour et qui, au final, fait en sorte que ces contrats-là d'être d'intérêt usuraire se répandent, tout cela sont concernés par le verset coranique où Allah dit tabaraka wa ta'ala, où Allah tabaraka wa ta'ala met en garde toute personne qui mange l'intérêt usuraire en disant qu'il déclare une guerre ou qu'Allah lui déclare la guerre ainsi que son envoyé. Non, ça c'est la matière à faire. Aussi, ceux qui mangent les biens de l'orphelin, ça aussi c'est fréquent, notamment chez les Arabes, je ne sais pas chez les autres, mais en tout cas, attakallamu ala ma shahidtu. Non, au bled, ça c'est très fréquent. Les orphelins, quand ils meurent, on prend leur argent normal. Alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا. Ceux qui mangent les biens de l'orphelin injustement, avec iniquité, ceux-là en fait ne font que manger du feu. Non, salamata wa l'afia. Malheureusement, les gens n'attachent pas d'importance à ces versets coraniques, alors que Allah tabaraka wa ta'ala, comme il l'a dit dans le verset lorsque les gens ont médité sur la création des cieux et de la terre, ils ont dit Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adhab an-nar. Oh Seigneur, tu n'as pas créé tout ceci par abusement, en vain. Non. Si Allah tabaraka wa ta'ala a créé le feu de l'enfer, c'est que des gens méritent d'y rentrer. Aussi, al-musawwirun, ceux qui essayent d'imiter Allah dans sa création, ceux qui font des dessins, ceux qui font des représentations, ceux qui sculptent des animaux, des êtres vivants. Aussi, le prophète a dit à Ashadun nas adhaban yawm al-qiyama al-musawwirun. Ashadun nas adhaban yawm al-qiyama al-musawwirun. Non. Subhanallah. Il y a des gens parmi les musulmans qui sont très laxistes par rapport à ceci. Ils font même des bandes dessinées islamiques. Vous avez entendu parler de ça? Bandes dessinées islamiques. Ils représentent des êtres vivants, des personnages, alors que toutes ces choses-là sont interdites. Et le prophète a mis en garde toute personne qui essaie d'imiter la création d'Allah ou qui représente des êtres vivants. Cela aura un châtiment très douloureux le jour du jugement. Mais pour nous, ce n'est pas grave. Aussi, le manque de sincérité dans l'apprentissage de la science religieuse. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, man ta'allama ilman li ghayrillah aw arada bihi min an-nar. Celui qui apprend une science religieuse ou une science de manière générale pour autre qu'Allah, ou il souhaite par elle autre que le visage d'Allah, alors qu'il prépare sa place en enfer. Les péchés sont nombreux, je vous ai cité que ceci, mais la liste est très longue. Je vous ai traduit une parole de Ibn Rajab, écoutez bien les frères, elle est très importante. Ibn Rajab dit dans Takhwif al-Nar, il dit « Tous ces hadiths, au regard de leur sens, montrent que la plupart des fils d'Adam font partie des gens de l'enfer. Ceci nous montre aussi que les suiveurs des envoyés sont peu nombreux par rapport aux autres. Ces derniers seront tous dans le feu, sauf celui à qui le message ne lui est pas parvenu et dont il n'a pas pu en comprendre la teneur. Ceux qui s'affilient aux suiveurs des envoyés, maintenant. Donc il a dit que les suiveurs des envoyés sont minoritaires par rapport aux autres. Hein? Donc c'est-à-dire que ces derniers, ces autres-là, constitueront les gens de l'enfer. Maintenant, il parle des gens qui suivent les envoyés. Écoutez bien, ceux qui s'affilient aux suiveurs des envoyés. Pour la plupart d'entre eux, ils se basent sur une religion abrogée et sur un livre altéré et falsifié. Il parle de qui ici? Des gens du livre, des juifs et des chrétiens. Eux aussi font partie du feu. Et il rapporte le verset coranique: وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُ.
Hein. Et ceux parmi eux, parmi ces factions qui mécroient, alors l'enfer sera leur lieu de rendez-vous. Quant à ceux qui s'affilient au livre parfait et à la législation soutenue par Allah tabaraka wa ta'ala, ainsi qu'à la religion de vérité, il y a parmi eux aussi des gens du feu. Donc là, il parle de ceux qui s'affilient à l'islam. Il y a parmi eux aussi des gens du feu. Ce sont les hypocrites qui suivent, qui seront dans les plus bas fonds de l'enfer. Quant à ceux qui s'affilient à cette religion ouvertement et intérieurement, là il parle des croyants maintenant, la plupart d'entre eux sont touchés par les ambiguïtés religieuses. Ce sont les gens de l'innovation et de l'égarement. Certes, les hadiths ont été rapportés concernant la division de cette communauté en quelques 70 sectes, toutes dans le feu sauf une. Parmi celles qui sera sauvée, beaucoup d'entre eux sont touchés par les passions interdites, menacées par le feu, quand bien même elles n'impliquent pas que ses partisans s'éterniseront dans le feu. Ils ne seront pas sauvés de la menace du feu et ils ne bénéficieront pas d'une promesse du paradis inconditionnel. Quand bien même ils font partie des gens de la Sunna, non, mais ils sont touchés par les passions, on ne peut pas dire d'eux qu'ils auront le paradis sans condition. C'est ça que signifie la parole de Moulin Rajab. Et ils ne seront pas épargnés par la menace du feu. C'est-à-dire qu'ils seront toujours sous la menace du feu. Sauf pour, et là il parle d'El Firq al-Najiya, le groupe sauvé, mais ceux qui suivent les prophètes ou le prophète consciencieusement. Sauf pour le groupe sauvé, ceux qui seront sur ce sur quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons, épargnés et préservés des ambiguïtés et des passions, ceux-là sont très minoritaires et surtout dans les derniers temps. Donc c'est une réalité, mes frères. L'enfer sera rempli d'hommes et de djinns, contrairement au paradis. J'ai pas envie de vous saper le moral ce soir, il y a encore beaucoup de choses à dire sur l'enfer. C'est pour ça que j'ai résumé un petit peu. Je terminerai par des notes d'espoir, Inch'Allah, en parlant un petit peu du paradis. Non, ne vous inquiétez pas. On entamera le paradis, Inch'Allah, et on le finira la semaine prochaine. La nourriture des gens de l'enfer. Premièrement, Ad-Dali'a. Ad-Dali'a, c'est une plante, à la base, c'est une plante qui pousse dans les régions désertiques du Golfe arabique, enfin de la péninsule arabique, Afouane, ce qu'on appelle le chibrek, vous regarderez sur Google, vous verrez, Inch'Allah, c'est une plante épineuse. Hein? Donc ce sera une des nourritures des gens de l'enfer. Aussi, Az-Zakoum. Ses racines sortent du fond de l'enfer, hein? Et ses branches se déploient de toutes parts. Ses fruits sont horribles à voir et sont comparables à des têtes de démons. Hein? Comme le dit Allah tabaraka wa ta'ala. Les mécréants vont en manger, ne trouvant rien d'autre à manger. Ils se brûleront l'estomac et lorsqu'ils voudront boire, on les abreuvera d'une eau bouillante. Non. Ils seront comparables à des chameaux qui boivent sans cesse, sans se rassasier à cause de leur maladie, comme le dit Allah tabaraka wa ta'ala. Fasharibuna shorbalhim. Elhim, c'est des chameaux qui sont malades. Et parmi les symptômes de leur maladie, c'est qu'ils boivent sans cesse et que cette eau-là ne les rassasie pas ou ne les abreuve pas. Allah tabaraka wa ta'ala a comparé des gens de l'enfer qui iront boire cette eau bouillante comme ces chameaux-là. Ils en buvront mais ils ne seront jamais rassasiés. Non. Aussi, Allah tabaraka wa ta'ala, wa ta'aman la ghussatin wa adaban alima. Ils mangeront de la nourriture d'un ghussa. Al ghussa, c'est une nourriture qui va te faire suffoquer, qui va te rester en travers de la gorge. Là. Même quand ils mangent, ils souffrent. Sallallahu alayhi wa sallam wa ta'afir. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, si une goutte de cet arbre, Az-Zakoum, tomberait dans cette vie d'ici-bas, elle dégoûterait les gens de vivre. Non, elle dégoûterait les gens de manger et de boire. Comment sera alors celui dont cet arbre sera sa nourriture ?
sallallahu alayhi wa sallam. Aussi, al-rislin, tout ça sont des termes coraniques, les frères. Al-rislin, يقول الله تبارك وتعالى فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. الغسلين c'est ce qu'on appelle en français du pu. Pareil الغساق ou alors الصديد. Tous ces termes là selon le Coran ils veulent dire la même chose. Les savants se sont divergé entre eux à savoir à quoi, qu'est-ce que ou quelle est la teneur de ces trois choses-là, al-rislin, al-rassar ou alors al-sadid. Certains disent que c'est le pu qui sort de la peau lorsque celle-ci a été brûlée, là, lorsqu'elle a été brûlée du pu qui sort. Ou alors c'est la sueur des gens de l'enfer. Comme l'a expliqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un autre hadith, la sueur des gens de l'enfer. Ou alors, c'est un liquide qui sort du sexe des fornicatrices. Sallallahu alayhi wa sallam. Leur boisson, al-hamim, une eau bouillante. Allah dit tabaraka wa ta'ala, wa sukuma un-hamima, faqatta'a am'a'ahum. Et ils seront abreuvés d'une eau bouillante qui déchirera leurs entrailles. Non. Concernant maintenant les châtiments des gens d'enfer varient en fonction des personnes, comme nous l'avons dit. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, parmi eux, il y a ceux que le feu atteindra juste les chevilles. D'autres qui montera jusqu'au genou, d'autres jusqu'au ventre et d'autres jusqu'aux clavicules, rapporté par l'imam Muslim. Et le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, inna adna ahli an-nar 'adaban yatana'aluna 'alayhi min nar yaghli dimaghuhu min hararati na'layhi. Yarna, la personne la plus épargnée ou qui aura le châtiment le plus doux et le moins terrible le jour du jugement sera une personne qui aura des chaussures de feu, et ces chaussures de feu-là, au regard de sa chaleur intense, ou de leur chaleur intense, brûleront et feront bouillir son cerveau. Rapporté par l'imam Muslim. Ça, c'est celui-là qui aura le châtiment le plus léger. Aussi, parmi les châtiments, ce qu'on appelle l'indaj. Indaj, c'est le renouvellement de la peau. Comme le dit Allah, tabaraka wa ta'ala, inna alladhina kafaru bi ayatina, سوف نسليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. Ceux qui ont mécru à nos signes, nous allons les brûler dans le feu de l'enfer, et à chaque fois que brûlera leur peau, nous leur renouvellerons leur peau afin qu'ils brûlent de nouveau. Si vous imaginez ça, c'est la matawa l'afia. Aussi, al-sahar. Al-sahar, comme rapporté dans surat al-hajj. Yaqul Allah tabaraka wa ta'ala. Yasharu bihim ma fi butunihim wal julud. Wa lahum maqami' min hadid. Yasharu bihim ma fi butunihim wal julud. Donc, ceux qu'ils ont dans leur ventre et leur peau va fondre. Yasharu bihim. Non, ce feu-là va faire fondre tout ce qu'ils ont en eux. Puis aussi, parmi les châtiments, ils seront traînés. Yushabuna finnari ala wujuhihim dhuku massa sakar. Ils seront traînés face contre terre dans le feu et on leur dira goûter le châtiment de sakar. Voilà quelques châtiments que l'on peut répertorier à travers le Coran et la Sunna. Salam, salam, atawa al-afi. Comment l'homme se préserve du feu? J'ai voulu ouvrir ici cette parenthèse car à chaque mal son remède, hein, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour se préserver du feu, il y a plusieurs moyens. Premièrement, al-iman, la foi.
Deuxièmement, al-a'mal as-salihah, les actes vertueux. Troisièmement, les doigts, les invocations. La foi, si tu meurs sur cette foi-là, elle te préservera de t'éterniser en enfer. Les actes pieux, ils te préserveront d'y rentrer. Hein? Et les doigts, ce n'est que les causes et les sabeb. Hein? Car vous savez tous que toute chose est entre les mains d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Si Allah voulait, il t'aurait fait rentrer au paradis, quand bien même tu aurais une montagne de péché, si Allah veut, il te fait rentrer au paradis sans te châtier. Hein? L'importance des doigts. Parmi les actes pieux que le prophète a cités, sallallahu alayhi wa sallam, et qui constituent un barrage ou un rempart entre la personne et le feu, il y a le jeûne, as-siyam. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, as-sawmu junnah. Le jeûne est un bouclier. Un bouclier qui te préserve de quoi? Justement du feu de l'enfer. Man sawma yawman fi sabilillahi ba'adahu Allah wa ba'ada Allah wajhahu min an-nar bi 70 kharifan. Celui qui jeûne une journée dans le sentier d'Allah, Allah lui écarte son visage du feu de l'enfer de 70 ans. Hein? Rapporté par l'imam al-Bukhari. Les mérites du jeûne sont innombrables. Aussi, al-khawf, la crainte. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, écoutez bien ce hadith, la yalijou nara man baka min khashyatillah hatta ya'ouda al-labanu fil-dar'i. C'est-à-dire, personne qui aura pleuré par crainte d'Allah ne rentrera en enfer jusqu'à ce que le lait retourne dans le pis de la brebis. Non? Vous voyez les mamelles de la brebis ou de la vache? Le pis, c'est où sort le lait. Avez-vous déjà vu le lait qui re-rentre par où il est sorti? Non. Le prophète a donné cette image en disant, une personne qui aura pleuré par crainte d'Allah ou qui pleure de manière générale par crainte d'Allah, tabaraka wa ta'ala, min khashyatillah, celui-là sera épargné du feu de l'enfer. À moins que le lait ne retourne dans le pied de la brebis. Aussi, le djihad. Le djihad, bien sûr, le djihad légiféré. Non, avec ses conditions et ses zawabit. Les anges, ça c'est un hadith authentique rapporté par l'imam Suyuti et authentifié par Cheikh Al-Albani. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, que les anges tournent fi majalis dhikr. C'est quoi majalis dhikr? C'est la chose dans laquelle on est actuellement. C'est des assises de science, des assises de rappel, où on évoque Allah, où on loue Allah, où on se rappelle les hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Alors les anges tournent et regardent où se trouvent ces assises de science et de rappel. Et Allah pose la question aux anges en leur disant, et Allah est plus savant sur la réponse, en disant, de quoi mes serviteurs contre quoi mes serviteurs cherchent protection? Alors les anges disent, ils cherchent protection contre le feu. Alors Allah leur dit, l'ont-ils déjà vu? Ils disent non, ils ne l'ont jamais vu. Alors, Allah leur dit, et comment serait-il s'ils l'avaient vu? Alors les anges de répondre, ils le fuiraient plus qu'ils ne le fuient actuellement. Alors Allah dit à cet effet, alors prenez ou soyez témoins que je leur ai pardonné. Allahumma. Allahumma inna na'udhu bika min an-nar. J'ai pas voulu en dire plus sur l'enfer, inshallah, tabarak wa ta'ala. Naam. Kalam tawil jiddan. Walakin naqtasiru bihadha al-qadr. Nas'allahu tabarak wa ta'ala an yukrimana bil jannah wa nas'alu tabarak wa ta'ala an yu'idhana min an-nar wa min jahannam wa bi'sa al-qarar. Allahumma ihdina wa ihdi bina wa ja'alna sababan liman ihtada. Allahumma ya musaghrif al-qulub, saghrif qulubana 'ala al-iman wa al-taqwa. وثبتنا على طريقة أهل السنة والجماعة أحيينا عليه وأنبتنا عليه واحشرنا مع الزمرة
أهله بفضلك وكرمك إنك الولي بذلك والقادر عليه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وقل رب زدني علماً.